Street culture. Street culture. Je faisais de la photographie, et maintenant je fais tout. Enfin bon, je fais tout. Je fais de la performance, je fais de la vidéo, je fais de la photo, je fais de la céramique, je fais du street art. J'ai envie d'être bonne partout, donc je travaille énormément partout. Et donc voilà, donc je me suis énormément dispersée. Mais je pense que finalement, ça a à voir avec ma personnalité. Et j'ai pas envie en fait de me centrer sur un truc parce que je crois que l'art c'est la liberté. Et c'est pour ça que je suis artiste. Sinon, je ferais autre chose. Après, j'essaye de faire un travail qui a un message. Par contre, pour moi, ça, c'est important. Je suis pas dans la contemplation. La contemplation, ça m'intéresse pas du tout. J'ai envie de transmettre quelque chose, parce que sinon, de toute façon, je ferais pas mon travail. Pour moi, l'art, c'est un travail militant, en fait. C'est parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Enfin bon, ça, c'est ma manière de voir les choses, quoi. J'ai des assiettes qui s'appellent repas de famille, où c'est des assiettes couvertes de piquant. Donc, c'est un peu ce truc, voilà, les sous-jacents, les secrets de famille, toutes ces histoires. J'en ai fait une, Nos montagnes chaque jour, elle s'appelle. Donc en fait, c'est la chaîne des Pyrénées qui est déployée sur des assiettes. Donc ça m'intéresse, je travaille beaucoup avec les objets quotidiens parce que j'aime bien en fait que l'art soit pas que de la contemplation. J'ai envie qu'en fait les gens se l'approprient, donc je travaille beaucoup avec des choses qu'on a devant nous tout le temps. Donc il y a les habits, la vaisselle, c'est des choses que voilà. J'aime bien redécouvrir, revisiter quelque chose qu'on a sous le nez. Donc je pense avoir un travail assez littéraire finalement, parce que j'ai plein de trucs à dire. Très simple. J'essaye de faire un travail très très accessible, c'est souvent minimaliste, j'essaye d'épurer la chose au maximum, quoi. Donc ça a l'air simple dans la façon de faire, mais en fait c'est un travail de fou pour vraiment garder l'essentiel, quoi. J'ai une exposition là prévue en septembre à Paris. C'est un prix que j'ai gagné, donc c'est un peu différent. Et sinon, la plupart des choses, ça continue d'être en Espagne. Donc là, j'ai une expo en ce moment à Madrid. J'en ai une à Barcelone et j'en ai une à Séville aussi en ce moment. J'ai une grande partie politique qui avant était religieuse. J'ai pas mal travaillé, comme j'étais dans le sud de l'Espagne, sur la religion. En France, là, je suis de plus en plus en train de basculer vers un travail sur l'écologie et la surveillance, parce que là, on commence à avoir des gros problèmes de liberté dans notre pays, que je ne pensais jamais connaître. Donc je commence à jouer là-dessus. C'est difficile de vivre, hein. C'est difficile. Et quand on est sensible, c'est d'autant plus difficile. Et puis, c'est la société humaine, en plus, elle est très compliquée. T'as toujours des jeux de domination, l'injustice, c'est monnaie courante. Ouais, moi, la planète Terre, je trouve pas ça super. J'espère que je partirai en vacances autre part après. Mais je pense que... Non, c'est pas génial, génial. Street culture.